Salut à tous, c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui va continuer un petit peu sur le thème qu'on a pu voir hier par rapport à la notion possible de manipulation pour peut-être faire rentrer dans des dynamiques sectaires ou extrémistes sur certains aspects. Un point qui est important de rappeler parce que j'ai eu ces remarques-là, c'est par exemple quand on dit que dans l'hypnose urbaine, il y aura peut-être potentialité de manipuler des personnes alors qu'on ne les connaît pas. Il faut vraiment prendre une distance, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que pour emmener et entraîner une personne dans une transformation psychique à un moment donné, donc travailler sur les trans potentiels qu'il va mettre en place, il va falloir un cadre. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que c'est pendant des retraites, c'est pendant des longues périodes avec toujours les mêmes personnes et les mêmes discours que la radicalisation va se faire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans des transes à longueur de temps, dans lesquelles on peut ressortir si on le souhaite. Seulement, si dans le discours, à un moment donné, va y avoir un phénomène de répétition, on va à nouveau créer un ancrage pour retourner automatiquement dans ces trans-là. Et plus on va faire des allées et venues dans ces trans, plus on va approfondir, c'est ce qu'on appelle du fractionnement en hypnose, et plus on va être possiblement orienté par la suggestion qui est proposée par les différentes personnes qui, derrière, souhaitent nous donner ou nous greffer une nouvelle forme d'information. Ici, on reprend notre pyramide de Diels, qui vont travailler sur l'identité, les valeurs, les croyances. Seulement, dans le principe de la rue, en hypnose urbaine, on va croiser des personnes, il est quasiment impossible, quand je dis quasiment, c'est pour moi, c'est impossible d'avoir cette notion de se dire « je vais manipuler une personne et le faire rentrer dans un mouvement sectaire X ou Y », même si, à ce moment-là, on va dire il a une crise identitaire. Pourquoi ? Parce que le laps de temps est tellement court, on va passer un quart d'heure, 20 minutes maximum avec des personnes qu'on ne connaît pas, on n'est pas là en train de leur envoyer des suggestions X ou Y qui vont le conditionner. Ça va être souvent un rapport à lui-même, se retrouver, se reposer, etc. sur ce principe-là. Donc, il va facilement pouvoir, au moment de la sortie de transe, se lâcher et lâcher complètement ce qui a été proposé. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que les personnes qui font de l'hypnose urbaine, très rarement, ils en reparlent ou en post-hypnotique, ils ne sont plus du tout dans la même type d'énergie. Il suffit qu'il y ait eu du monde ou qu'ils retournent dans leur vie quotidienne. Et c'était plus une forme de parenthèse de vie plutôt que un préconditionnement. Donc, il n'y a pas de peur à avoir sur l'hypnose de scène ou l'hypnose urbaine ou même de toute façon sur l'hypnose plus thérapeutique, parce que tout simplement la notion de conditionnement va quand même demander une phase de seeding, de répétition et des phases d'ancrage qui ne sont pas du tout faites dans le cadre de l'urbain ou dans le cadre de la scène. Il y a vraiment cette notion à voir. Pensez aussi, l'autre point clé, c'est la répétition, la répétition, la répétition. La base de l'éducation se base sur la répétition. Si vous voulez éduquer un esprit, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seeder, on va vous proposer des éléments qu'on va faire grandir au fur et à mesure. Donc, quand on va vouloir changer ou transformer un état mental et en tout cas vouloir l'orienter petit à petit vers quelque chose, ça va être avec cette répétition continue et continuelle qu'on va ouvrir des accès nouveaux et une acceptation aux potentialités qui ont été données. En plus, la plupart du temps, et c'est là où il y a une figure, on va dire, dominante dans le schéma sectaire, c'est qu'on va ancrer une habitude sur une voie, une habitude, un comportement et différentes choses qui va faire qu'à chaque fois qu'on entre dans cet espace-là, un espace religieux, un espace spirituel, un espace d'apprentissage, on est toujours dans le même type d'espace avec la même personne qui souvent va avoir le même type de vêtements, va se comporter de la même façon, va utiliser la même sémantique et va tout simplement réactiver automatiquement un ancrage de trans bien spécifique, déjà pré-orienté et pré-mâché pour que la psyché s'ouvre davantage et qu'on puisse aller soit attaquer l'identité, si vraiment c'est ce dont on est capable de faire à un moment donné, ou en tout cas d'aller commencer à aller toucher les valeurs et les croyances pour ouvrir encore davantage et petit à petit modifier la conscience ou en tout cas les phénomènes subconscients qui nous amènent à ce qu'on appelle la logique dans le conscient.
Donc il y a beaucoup beaucoup de points à prendre en compte, et c'est pas en 10 minutes pendant une session, ou même avec vos 15 sessions d'hypnose avec un thérapeute que vous voyez toutes les 3 semaines, que vous allez avoir une notion de manipulation ou sectaire. Par contre, souvent sur des phases closes, fermées, sur du long terme, il est plus facile d'entraîner des personnes dans ce qu'on appelle un nettoyage de pensée, on lave le cerveau, etc. Donc pensez bien à ça, c'est des faits réels, ça se passe souvent, la PNL, l'hypnose sont malheureusement aussi utilisés de cette façon-là. C'est pas pour autant que c'est facile, simple, et que en fonction, effectivement, quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle, psychique, dans une vie où vraiment il se sent bien, clairement il va pas tomber dans ce type de dérive. Par contre, dans les moments identitaires problématiques, etc., peut-être récurrents depuis l'adolescence ou de l'enfance, il va avoir une plus grande faculté à tomber dans ce type de problématique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail ou vous laissez un commentaire sur Facebook ou YouTube. Le plus important, c'est que vous preniez ce qui est bon et juste pour vous, vous retirez ce qui n'est pas, parce que ce qui va vous faire avancer, c'est devenir qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous, be one. Ciao !